l'histoire de ce livre, c'est une histoire vraie entre cette Régine de Forges avant qu'elle devienne écrivain et cette adolescente qui était Manon Abouz. Et donc le projet est né de ce contenu-là, de cette histoire-là, et les photographies sont venues un peu apporter quelque chose du côté adolescent replié sur soi-même, qui est dans ses rêveries, dans ses jeux, dans son monde. Parce que c'est ça finalement qui a été, je dirais, attaqué, agressé. C'est la deuxième exposition que je fais avec Leonardo, puisque la première exposition, il avait illustré un interview de Catherine Robbe-Grillet. Et c'est d'ailleurs lors de cette exposition que Régine de Forges a vu les photos de Leonardo et lui a demandé d'illustrer un texte. Les photos sont très émouvantes et sensibles. Les photos, elles sont magnifiques. On est très contents du travail. Ça a été une sublime expérience et on est très contents. Leonardo travaille d'une manière un peu spéciale, c'est sa manière à lui. Et nous, on a totalement adhéré à sa manière de travailler. On a vraiment apprécié. Les photos sont magnifiques. Alors ça, il y a des endroits qu'il a photographiés qui étaient des endroits où Régine et moi, nous nous retrouvions étant adolescente et poursuivie, malheureusement. L'univers de Leonardo est toujours joli. Il recherche toujours l'élégance, la beauté, dans la discrétion. Ça n'est pas « moi, je fais du beau, regardez-moi ». Non, c'est dans la discrétion. J'ai adoré son travail, mais je trouve que c'est très impressionnant parce que le corps est très joli, la peau est comme des porcelaines, elles sont comme des poupées, mais en même temps elles sont douces et irréelles. Il y a quelque chose de très candide et en même temps très légèrement sulfureux dans son inspiration. Je trouve ça à la fois candide et assez formidable comme geste dans l'époque dans laquelle on vit. Je trouve ça assez joliment bienvenu. Comme toujours avec Leonardo, on entre dans une espèce d'incandescence poétique extraordinairement gracieux, extraordinairement métaphorique et qui éveille chez nous toutes sortes d'arrière-monde. Ça touche tout de suite l'inconscient. Et c'est très sensuel, d'une sensualité pleine d'innocence, et je trouve que c'est la plus jolie des sensualités, l'innocence.